Bonsoir euh, mes amis, frères et sœurs, merci et bienvenue sur TV et Radio de Vie, bienvenue dans votre émission. Il est minuit, il est minuit dans l'horloge divine euh, pratiquement et nous croyons que le Maître, mes amis, euh, euh, ne va plus tarder, tarder euh, à revenir euh, nous prendre. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour la... Parole divine qui nous guérit, qui nous restaure. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. En ton nom, nous prions, Adonai. Conduis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que ta puissance, Seigneur, nous guérisse, nous restaure. En ton nom, Seigneur, nous prions, Adonai. Amen. Voilà, mes amis, vous savez que nous sommes actuellement sur le livre de le livre d'Apocalypse. Et euh, ce soir, nous allons parler sur le septième sceau, l'ouverture du septième saut. On en a parlé un tout petit peu samedi euh, dernier. Et nous allons euh, finir avec euh, le septième saut. So, voilà. Donc nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre, au chapitre 8, à partir du verset 1. Alors, comme vous le savez, dans le chapitre 4, Jean euh, reçoit l'invitation pour se rendre au ciel. Il arrive au ciel, il voit un trône et euh, un être dessus, donc notre Dieu. Et ensuite. Dans le chapitre 5, il voit euh, cet être glorieux ayant, n'est-ce pas, dans sa main droite, un livre scellé de sept sceaux. Il entend un, une voix qui dit, qui demande, qui était, je digne, euh, une voix qui demandait à quelqu'un de digne de prendre ce livre et d'en rompre le sceau et personne ne l'était, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Et Jean pleure, pleure énormément, et un des anciens lui dira, justement, ne pleure pas, parce que le lion qui vient de la tribu de Juda est celui qui a vaincu. Et il est digne de prendre ce livre et d'en rompre les seaux. Et l'agneau prend le livre, effectivement. Donc il échoue. Il prend ce livre. Il, en rompt, il va en rompre les seaux. Et on en a parlé. Hein, donc on a parlé de l'ouverture de six premiers seaux. Et dans le chapitre 8, on nous parle justement de l'ouverture du septième seau. Et quand il eut ouvert le septième seau, il y a eu un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Une demi-heure. 30 minutes de silence. Mes amis, c'est fort ici. Et euh, depuis que euh, Dieu a créé les cieux, depuis qu'il a créé les anges, mes amis, il y a toujours eu euh, du bruit, des chants, des voix, des tonnerres, et, euh, des éclairs. De bruit, euh, mes amis, euh, d'instruments d'adoration, de la harpe, de toutes sortes d'instruments célestes. Et jamais, jamais, jamais le ciel n'a connu un silence. Et là, particulièrement, il va y avoir ce silence de 30 minutes. Pourquoi Et la chorale céleste a cessé. De chanter l'adoration a pris fin je veux dire dans, dans sa manière dans son expression visible audible bien sûr je crois quand même que dans leur cœur les êtres célestes continuent bien sûr à adorer le seigneur mais néanmoins ne l'exprimer plus visiblement audible de manière audible parce qu'il fallait ce silence pourquoi ce silence bien évidemment et euh, le verset 2 nous donne la réponse et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Ah, nous comprenons ici. Donc, il y a eu ce silence parce que sept anges, sept messagers devaient faire retentir sept voix, sept sons, sept retentissements de trompettes. Et il fallait justement qu'il y ait un silence parce que. Les gens devaient entendre correctement, mes amis, ce son de trompette. Ah, donc vous vous rendez compte que Dieu, notre Père, qui aime l'adoration, va imposer ce silence pendant une demi-heure, une demi-heure, pour que les nations, pour que le monde entier, l'univers, les cieux des cieux, entendent les sept sons de trompette. C'est-à-dire, Dieu accorde une importance, mes amis, capitale à l'écoute des sons des trompettes. Dieu accorde une importance, mes amis, euh, euh, il, il, les sept sons de trompettes sont tellement importants, Dieu veut tellement qu'on les entende qu'il va demander à tout le monde de se taire pendant 30 minutes, c'est-à-dire un temps limité, pour que les hommes que nous sommes entendent ce son de cloche. Quel amour pour notre Dieu. Quel amour. Dieu aime tellement les hommes qu'il va demander à cette chorale, alors tout le monde, silence. Et les sept anges qui se tiennent devant Dieu se présentent avec leur chauffard, leur trompette. Et ça, c'est magnifique, mes amis. Sept trompettes. Et le retentissement, mes amis, que nous attendons actuellement, c'est celui de la septième. Trompette, bien sûr. Parce qu'on nous parle de la dernière trompette, eschatos en grec, c'est-à-dire der, la, la dernière dans une série hein, des de, de, de choses. Le dernier, donc eschatos, c'est le dernier euh, des derniers. C'est le, 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 le grec qui nous le dit. Donc on voit bien qu'il y a sept trompettes en tout. Et, euh, et la Bible nous dit que ces anges se tenaient prêts, prêts pour faire retentir c'est cette trompette. Mais bien avant cela, la parole nous dit qu'un autre ange va venir et il va se tenir devant l'autel. Et remarquez ici, Jean, le prophète de Dieu, il va, n'est-ce pas, être invité au ciel et il va assister à des événements qui allaient arriver dans, la, dans, dans le futur. Il va voir l'humanité, hein, le futur de l'humanité. Et là, mes amis, il va être emmené dans le sein de saint. Dans le parvis, euh, il y avait le parvis dans le, dans le tabernacle. Hein, il y avait un tabernacle sur terre à Israël. Il y avait le parvis, tout le monde pouvait y accéder. Il y avait un, un parvis pour les femmes dans le temple, un parvis pour les hommes, un parvis pour les étrangers, n'est-ce pas et, euh, et, et, et là, à part le parvis, il y avait aussi le lieu saint, dont euh, euh, l'accès était réservé au seul prêtre. Et il y avait le saint de saint, dont l'accès était réservé exclusivement, mes amis, euh, 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 accordé euh, au grand prêtre, qui ne pouvait y entrer qu'une seule fois par an, le 10 du 7e mois, du mois de Tishri. Tishri, c'est le septième mois en, en Israël, chez les Hébreux, et c'est ce jour-là que le grand prêtre avait accès au, lieu, au, lieu, au, lieu, au sein de saint. Et là, Jean arrive dans le saint de saint, et il voit cet hôtel, mes amis, de parfum. Et il voit, mes amis, euh, euh, la prière des saints, la prière des saints mélangée avec du parfum. Et ce parfum, et le, et ces prières montées euh, devant le trône de Dieu. Et en fait, Jean euh, voit le parfum de Dieu, c'est-à-dire c'est Yeshua. Hein, le nom de Yeshua nous dit, cantique de cantique, dans 4, cantique chapitre 1 au verset 3, on nous dit que ton nom est un parfum répandu. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. En fait, Yeshua nous disait à chaque fois que nous devons prier en son nom. Tout ce que vous demanderez, disait-il, en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Donc, vous voyez que son nom est le parfum qui se répand. Voilà pourquoi les démons ne peuvent pas supporter ce beau parfum, hein, ce parfum euh, magnifique, glorieux. Et, euh, et, et là, la prière de saint est mélangée à ce parfum qui est, n'est-ce pas, le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, selon Cantique de cantique, le chapitre 1er et le verset, et, euh, le verset 3. Voilà, donc euh, et, et, et c'est magnifique de voir, mes amis, la, la gloire de Dieu se manifester au ciel comme ça, dans la présence de Dieu. Et Jean assiste à des choses glorieuses, à des choses magnifiques. Et là, qu'est-ce qu'il voit Et il voit, nous dit, et, euh, cet ange qui tient ses prières-là, qui monte devant le trône de Dieu, et la fumée. Un des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit l'encensoir la, et l'ayant rempli de feu de l'autel, il le jeta sur la terre. Et il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Alors les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Donc l'ouverture du septième sceau montre, hôte le voile. Sur cette scène qui se déroule au ciel, où l'on voit ces sept anges qui se tiennent devant Dieu et qui avaient leurs ch chauffards, tels, des, euh, mes amis, euh, c'est comme les, les, les prêtres qui avaient les chauffards euh, euh, tout autour de la ville de Jéricho, mes amis, dans Josué, et qui euh, ont, ont fait retentir ces sept sons pour faire tomber les murailles de Jéricho. Waouh! Et ici, mes amis, et. Euh, euh, et les sept trompettes hein, nous parlent euh, euh, des, des, des choses qui vont se passer, qui vont se dérouler euh, sur la terre. Et là les anges se préparent. Jean voit ces anges se préparer, préparer leurs trompettes, se préparer pour pouvoir en sonner. Alors écoutez bien ce que la parole nous dit dans Psaume. Psaume 89, le verset 15. Psaume 80, 89, le verset 15. Nous dit, psaume 95, verset 16, Béni, béni est le peuple qui connaît le son de la trompette. Béni le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche, oh Yahweh, à la clarté de ta face. Donc, le peuple qui connaît le son de la trompette est béni ou encore heureux. Ah oui, mes amis. Nous, peuple de, de, du livre, nous, chrétiens, nous, de, nous sommes appelés à connaître la, la, le, le son de la trompette. Et vous allez voir que la septième trompette, en fait, sera euh, euh, proclamée par Dieu. Et on va développer ces choses-là. Vous allez voir, mes amis, euh, je crois que le Seigneur va davantage nous éclairer hein, avec l'enseignement sur les sept trompettes. Donc, nous apprenons selon Psaume 89, le verset 16, que le peuple qui connaît le son de la trompette est béni et heureux. Et on apprend également, Paul nous apprend dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Qu'est-ce que Paul nous apprend ici 1 Corinthiens, chapitre 14. Le verset 8, qu'est-ce que Paul dit Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera à la bataille Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera à la bataille Nous apprenons que chez les Hébreux, n'est-ce pas, la, le, le son de trompette, parce qu'il y en avait plusieurs, hein, le retentissement des trompettes avait pour euh, euh, but premièrement de rassembler le peuple, de rassembler le peuple de Dieu autour de la Torah, autour du tabernacle autour de Dieu lui-même. Et d'ailleurs, le Seigneur euh, euh, le dit si bien dans le livre de Nombre, chapitre 10, à partir du verset premier. Puis Yahweh parla à Moïse en disant, fais-toi deux trompettes d'argent battues au marteau. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée s'assemblera auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Donc on voit bien ici que, mes amis, euh, et, euh, et, et quand le peuple devait être aussi, le, quand le, Dieu voulait que le peuple soit rassemblé autour du, de Moïse, autour du camp, autour de, du tabernacle, eh bien, il fallait, mes amis, faire retentir le son de trompette. Donc nous apprenons que c'est cette trompette, mes amis. Euh, ont pour but, mes amis, d'abord les six premières trompettes, vous allez voir, ont pour but d'amener de, 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 le jugement de Dieu sur les nations. Et, euh, et la septième, ce sera pour rassembler maintenant les élus. Voyez Et Paul dit que si le son de la trompette est incertain, qui peut se préparer à la bataille Donc, le retentissement de trompette en Israël avait aussi pour but de préparer le peuple à la guerre, à la bataille. Et les, 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 les prophètes chez les Hébreux étaient aussi considérés comme hein, des, 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 des trompettes. Dieu se servait d'eux comme des trompettes. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans Ésaïe 58. Il dit à Ésaïe, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme un chauffard et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Voilà, donc Ésaïe était une trompette en son temps. Esaïe était une trompette. Et, et, et il le dit également, le Seigneur, hein, il le dit également dans Joël. Hein, euh, ces prophètes devaient être, euh, étaient à leur, à leur, à leur, à leur, en leur temps, des véritables trompettes qui retentissaient. Voilà, dans Joël chapitre 2, au verset 1 Dieu dit Sonnez du chauffard en Sion sonnez avec un retentissement bruyant dans la montagne de ma sainteté. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de Yahweh vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore s'étend sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui un feu dévorant et derrière lui une flamme qui brûle. Devant lui le pays était comme le jardin d'Éden. Et derrière lui, la désolation d'un désert, et rien ne lui échappe. Voilà. Donc ça, on, bien sûr, on va développer le jour du Seigneur. Lorsqu'on va, mes amis, développer, euh, on va parler sur la septième trompette. Voilà. Et nous allons tout faire, si Dieu permet cette semaine, de finir euh, vraiment les sept trompettes, parce que euh, on va vraiment se, 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 se consacrer encore cette semaine, si Dieu permet, si nous prête, si nous donne la force, mes amis, de finir les sept trompettes. Et, euh, voilà l'enseignement sur les sept trompettes parce que je vois que beaucoup ont soif et on apprend déjà que l'ouverture hein, du septième sceau va n'est-ce pas nous révéler et hein, euh, euh, cette, cette, euh, nous montrer cette scène hein, où euh, les anges se préparent les sept anges et l'un de ces anges là peut-être que c'est l'un de ces anges qui se tiennent devant le Seigneur peut-être c'est comment dire c'est euh, Gabriel qui dira à Zacharie, dans Luc chapitre 1, qu'il se tient devant le Seigneur. Il le dit lui-même que je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Et je suis venu pour te parler. Donc on voit que ces sept anges qui tiennent les sept trompettes sont comme sont des véritables messagers. C'est des messages que Dieu envoie. Sept messages hein, euh, principaux envoyés au, à, à, sur la terre. Euh, sept messages et les six premiers, c'est vraiment les, les jugements que Dieu envoie sur la terre pour réveiller les, les nations, pour interpeller les nations, mes amis. Voilà, donc, et, et on voit en même temps, hein, donc à l'ouverture de cette so, émission les prières des saints qui montent. Et Dieu nous apprend ici que, n'est-ce pas, que les saints, les chrétiens qui prient avec force, avec qui, qui se sanctifient et qui associent leur prière au nom de Yeshua. Son nom est la parole de Dieu. Et son nom est aussi un parfum qui se répand. Alors, quand les chrétiens véritables prient, ben leur prière monte comme du parfum, comme de l'encens. Et les démons ne peuvent que partir. Et là, on voit ces prières qui montent comme ça. Ben Dieu exauce par des éclairs, par des tonnerres, par des tremblements de terre. Et on attaque tout de suite après, mes amis, l'ouverture, de le retentissement de la, de la première trompette. Et le premier, le verset 7 nous dit Et le premier ange sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu, du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte aussi fut brûlée. Alors, ça c'est la première trompette. Et on nous parle, mes amis, on nous dit que il va y avoir il y a eu euh, de la grêle et du feu, du feu mêlé avec du sang, hein, mêlé de sang, pardon, du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et ça c'est terrible. C'est terrible. C'est des catastrophes naturelles et terribles. Et on va vous montrer quelques images de grêle qui tombe sur les nations, qui tombe sur certains pays. Et vous allez voir les dégâts que ça cause. Et là, on nous dit que cette grêle va détruire les arbres, le tiers des arbres de la terre. Alors, bien sûr, ici, on peut aussi faire une interprétation allégorique. C'est-à-dire, les arbres dont il est question ici, ce sont des nations, ce sont des pays. Ce sont des villes. Parce que, justement, mes amis, dans les Écritures, eh bien, les arbres symbolisent les nations. Par exemple, nous sommes dans le livre de Daniel, vous allez voir vous-même, pendant que les frères et sœurs cherchent les, euh, les images de la grêle physique. Mais il est question aussi de la grêle ici, spirituelle, parce que Jean va utiliser beaucoup de la, de, de, de lang va utiliser un langage symbolique. Hein. Voilà. Et euh, Regardez ce que Daniel 4 nous dit. Le roi Nebuchadnezzar a tout le peuple, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur la terre. Que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de vous déclarer les signes et les merveilles que le Dieu Très-Haut a opérées à mon égard. Le verset 4. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais lorsque je vis un songe qui m'épouvanta les pensées que j'ai eues sur ma couche et les visions de ma tête me troublèrent J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de babylone afin qu'ils me donnent l'interprétation du songe alors vinrent les magiciens les astrologues les chaldéens et les devins je leur dis le songe mais ils ne purent m'en donner l'interprétation en dernier lieu se présenta devant moi daniel nommé belshazzar selon le nom de mon dieu et qui a en lui l'esprit des saints, de dieu saint je lui dis le songe belshazzar chef des magiciens comme je sais que l'esprit de dieu saint est en toi et que nul secret ne t'est difficile, écoute les visions que j'ai eues en songe, et donne-moi son interprétation. Voici les visions de ma tête. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait un arbre au milieu de la terre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime atteignait atteignit les cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et son fruit abondant. Et il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel habitaient sous ses branches, et tout être vivé, vivant, tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de ma tête que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria à haute voix et parla ainsi :« Coupez l'arbre et, et branchez-le. Secouez son feuillage et dispersez son fruit, que les bêtes s'enfuient de dessous. » Et les oiseaux du, du, du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent ses racines, et liez le avec des chaînes de fer et des reins, qu'il soit parmi l'herbe de champ, qu'il soit trempé de la rosée des cieux, et qu'il l'ait comme les bêtes de les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Que son cœur d'homme soit changé. Donc voyez bien qu'on nous dit que cet arbre là avait un cœur d'homme, et qu'un cœur de bête lui soit donné, et que sept temps passe sur lui cette sentence est le décret de ceux qui veillent cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le très-haut domine sur, les, sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y établit le plus vil des hommes voilà les songes que j'ai eus moi le roi nebuchadnezzar toi donc belshazzar donne, donne en l'interprétation puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner mais toi tu le peux parce que l'esprit des saints des dieux saints est en toi alors Daniel, nommé Belshazzar, demeura stupéfait environ une heure et ses pensées le troublèrent. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et son interprétation ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, Mon Seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent et son interprétation pour tes ennemis. L'arbre que tu as vu, qui est devenu grand et fort, dont la cime s'est levée jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portent la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel habitaient, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, et ta grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et vous connaissez la suite. Cet arbre, nous dit Daniel, c'était le roi Nebuchadnezzar. Donc, dans Apocalypse 8, ici, le tiers d'arbres qui sera brûlé par le feu, par les grêles, les grêles spirituelles, donc il est question du jugement, le tiers nous parle ici, ces arbres-là nous parlent aussi des hommes, des rois, des présidents, des autorités, des royaumes. Et Dieu, au retentissement de la première trompette, Dieu va juger les nations. Hein, S'il y a d'autres images, vous pouvez les faire défiler, mes amis, pour ne pas être figé Dieu va juger, juger les nations, frères et sœurs. Et euh, voilà. Donc déjà là, on voit les grêles hein, physiques. Et je crois que dans Apocalypse ici, il est aussi question hein, de grêle spirituelle, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Et quand on va dans Psaume 78, le verset 47-48, et 48, Psaume 78. Je veux le lire pour vous. Somme 78 verset euh, à partir du verset euh, et euh, 47 qu'est-ce que la parole nous dit il détruisit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par les orages il livra leur bétail à la grêle et leurs troupeaux aux foudres étincelantes il envoya sur eux l'ardeur de sa colère la fureur la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère et ne retira point leur arme de la mort. Il livra leur vie à la peste. Il frappa tout premier-né en Égypte, les prémices de la vigueur dans les tentes de Cam. Vous voyez, donc il est question, bien sûr, de la grêle que Dieu a envoyée en Égypte. Et on connaît tous l'histoire. Hein? Donc c'était, la... mes amis, euh, un jugement terrible. donc... La première euh, trompette annonce un jugement. Ce sont des jugements qui vont s'abattre sur les, na les nations, et un tiers, ça fait quand même pas mal mes amis. Donc euh, Dieu va juger euh, les nations. Et dans Psaume 105 au verset 32, la Bible dit: "Il leur donna pour la pluie, il leur donna pour pluie de la grêle et un feu Flamboyant sur la terre. Donc, voyez bien que lorsque la grêle a frappé l'Égypte à l'époque de Moïse, et il y a eu en même temps du feu. Nous dit la parole. Et si nous allons, si nous lisons dans Exode chapitre 9, Exode 9, nous allons voir ce que la parole nous dit. Exode 9 à partir du verset 13. Puis Yahweh parla à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, et dis-lui Ainsi parle Yahweh, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je veux faire venir sur je veux faire venir toutes mes plaies contre ton cœur, sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a nul Dieu semblable à moi sur toute la terre. Car maintenant, si j'avais étendu ma main, je t'aurais frappé de la peste, toi et ton peuple, car et tu serais effacé de la terre. Mais certainement, je te fais subsister pour cette cause afin de faire en toi, de faire venir en toi ma puissance et afin que mon nom soit célébré sur toute la terre. T'élèves-tu encore contre mon peuple pour ne pas le laisser aller Voici, je m'en vais faire pleuvoir demain à cette même heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis où elle, est, euh, elle fut fondée jusqu'à maintenant. Maintenant, envoie rassembler ton bétail et tout ce que tu as à la campagne, car la grêle tombera sur tous les hommes, sur le bétail qui se trouvera à la campagne et qu'on qu n'aura pas renfermé, et ils mourront. Voilà. Et voilà, mes amis, euh, et au verset 23, Moïse donc étendit sa verge vers les cieux, et Yahweh envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. Yahweh fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut donc de la grêle et du feu entremêlés avec la grêle, laquelle était si grosse qu'il n'y en a point eu de semblable sur toute la terre d'Égypte depuis qu'elle a été, hein, depuis qu'elle est, euh, qu est habitée. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était aux champs, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa toutes les arbres de champs. Et il n'y eut que la contrée de Gozène dans laquelle étaient les enfants d'Israël, où il n'y eut point de grêle. Vous voyez mes amis, en fait, la première trompette nous rappelle l'histoire, nous rappelle mes amis le jugement que Dieu a envoyé en Égypte, et ça va se répéter. Mais cette fois-ci, ce sera aussi sur le plan spirituel. On nous dit qu'il y avait de la grêle et du feu, Un certainement des éclairs, hein, de la foudre, tout ça, et il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup. On nous dit que l'herbe verte était également, mes amis, détruite. Voilà, donc, et ça, mes amis, c'est des choses qui vont se répéter, et je crois que, mes amis, ça se, ça se passe déjà, ça s'est passé hier, ça se passera aujourd'hui, demain encore, et voilà. Donc, cette première trompette a déjà retenti. Voilà, a déjà retenti, et il euh, y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Nous sommes dans une génération qui connaît beaucoup de situations difficiles, et, euh, et on nous dit, hein, dans... Il euh, y a aussi Ésaïe 38, Ézéchiel 38, verset 22, où l'on voit aussi hein, le jugement du Seigneur par la grêle. Et euh, toujours, et, euh, Ézéchiel 38, verset 22, qu'est-ce qu'on y lit ici J'entrerai en jugement avec lui par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir sur lui, sur ses troupes et sur les grands peuples qui seront avec lui, de to torrents hein, d'eau, des torrents d'eau de pierre, de grêle et du feu, hein, du feu et des soufres. Voilà, donc Dieu dit qu'il allait, n'est-ce pas, envoyer de, de la grêle et du feu sur l'armée. Ici, les questions de l'armée de l'homme impie. Voilà, donc, euh, et, euh, et je crois que cette grêle est aussi spirituelle. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes dans une génération il y a tellement de confusion, il y a tellement la confusion. Et on nous dit que l'arbre, la, euh, 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 comment les arbres, tout ça, là, ils seront bien sûr consumés. Donc, il est question des nations. Quand on voit, mes amis, euh, le tremblement de terre qui a frappé. Euh, L'Équateur aujourd'hui, c'est presque tout le pays qui est dévasté. Et euh, là, on nous parle de, de tiers de la terre et, euh, du tiers de la terre. Et je crois que, mes amis, cette prophétie euh, aujourd'hui est, est en train de s'accomplir. Hein, mes amis, il y a tellement de dégâts, le monde est tellement secoué aujourd'hui. Et, euh, et au verset 8 d'Apocalypse 8, on nous dit Et le second, le second ange sonna de la trompette. Et je vis comme une grande montagne embrasée de feu qui fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers de créatures vivantes qui étaient dans la mer mourut. Et le tiers de navires périt. Donc voyez ici, et à chaque fois, c'est le tiers, le tiers, le tiers, le tiers. Et, euh, et ben, la montagne dont il est question ici, bien sûr, c'est un royaume. Hein? Et le second ange, son de la trompette, et je vis comme une grande montagne embrasée de feu, qui fut jetée de la mer. Et, euh, et je crois que cette grande montagne-là, mes amis, je crois ça va être la grande... Babylone, cette grande montagne que les hommes euh, ont construite, mes amis, euh, et euh, c'est le nouvel ordre mondial, c'est le gouvernement mondial, cette grande nation terrestre, mes amis, euh, et que les hommes sont en, en train, train d'ériger, hein, de bâtir. Telle est euh, la vision, euh, telle, en la, la fait, c'est la même vision que les hommes de de Genèse 11 avaient. Hein, Bâtissons-nous une tour et dont le sommet atteindrait le ciel, et une ville, n'est-ce pas, pour ne pas être dispersé. Eh bien, il est question ici de la Babylone la grande, tout simplement. Ce sont les royaumes de ce monde, qui, mes amis, représentés ici comme la grande montagne. Et Dieu disait dans Zacharie, qui es-tu, grande montagne Tu seras aplani. Mais il, est question, il était question, bien sûr, de Babylone. C'est une grande montagne. Ça, c'est la deuxième trompette qui nous parle de la chute de la grande montagne. Et regardez ce que Jérémie nous dit dans Jérémie 51, on nous parle justement de cette montagne. Jérémie 51, et là c'est le jugement de Babylone, n'est-ce pas? Et euh, voilà. Donc si vous lisez tout le chapitre 51 de Jérémie, vous verrez que Dieu parle justement de Babylone comme étant cette montagne. Voilà. Alors, et euh, qu'est-ce que Dieu dit dans Jérémie 51 et euh, au verset 44 par exemple, 42, on nous dit que cette montagne est jetée dans la mer. La mer ici, c'est vraiment le monde dans le chaos. Hein. Quand la Bible parle de la mer, euh, elle fait allusion à, au monde dans, en désordre. Hein. Lorsque elle fait allusion à la mer, c'est vraiment le monde dans le, le monde chaotique, hein, le monde sans euh, ordre, sans organisation, sans loi. Je parle de l'organisation de Dieu. Et euh, donc la mer c'est vraiment le désordre. Et regarde ce que Dieu dit justement et euh, dans Jérémie 51. Et euh, voilà Jérémie 51 à partir du verset et, euh, 42, Dieu dit quoi Dieu dit, la mer est montée sur Babylone. Elle a été couverte de la multitude de ses flots. Ses villes sont devenues une désolation, une terre sèche et de landes. Un pays où personne ne demeure et où il ne passe pas un fils d'homme. Je punirai aussi Belle à Babylone. Je ferai sortir de sa bouche ce qu'il a englouti et les nations n'aborderont plus vers lui. Le mur même de Babylone est tombé. Mon peuple sortait du milieu d'elle et que chacun sauve sa vie de l'ardeur de la colère de Yahweh. De peur que votre cœur ne s'amollisse et que vous n'ayez peur des nouvelles qu'on entendra dans tout le pays. Car des nouvelles viendront une année après cela. Hein, viendront une année et après cela d'autres nouvelles une autre année. Et il y aura violence dans le pays et dominateur sur dominateur. C'est pourquoi voici les jours viennent où je punirai les images taillées de Babylone et tout, tout son pays sera honteux. Car tous ces blessés à mort tomberont à, au milieu d'elle. Voilà. Donc euh, et, euh, et, et là on voit qu'on voit vraiment que cette montagne, là mes amis, c'est vraiment Babylone et, euh, et, et, et on voit et euh, Dieu dit à son peuple de sortir justement de là. Donc la montagne qui va être jetée dans la mer, hein, c'est c'est vraiment Babylone et euh, Babylone qui est, de, qui est cette grande montagne. Euh, qui s'est qui, qui érigé, hein, qui, qui, qui se dresse euh, contre, contre le Seigneur, contre la parole, contre la connaissance de Dieu. Et Dieu, ben, le Seigneur va juger, juger, mes amis, euh, cette, euh, cette nation ou encore les villes de, de, ces mondes, hein, de ce monde, pardon. les villes de ce monde, les villes des nations. Donc vous voyez que Babylone, euh, cette grande montagne, mes amis, euh, qui est jetée dans la mer, Hein, à, 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 au retentissement de la deuxième trompette, c'est vraiment Babylone. Alors nous ne devons pas faire confiance, mes amis, euh, au, au, au monde, hein, aux nations, aux hommes, mais plutôt faire confiance au Seigneur. Donc, quand le deuxième ange va sonner la trompette, mes amis, eh bien, Dieu va juger Babylone, et c'est déjà le cas. Vous Voyez la confusion là, mes amis. Les nations sont jetées dans la mer. C'est-à-dire, les nations sont devenues comme elles sont comme en délire. Elles sont, mes amis, sans loi. Et Elles sont complètement, mes amis, elles sont en train de voter des lois qui sont contraires à la loi divine. Et parce que Dieu a, oh, 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 Dieu a jeté ces, ces nations hein, dans la mer, dans la confusion, et, hein, parce que comme les nations veulent la confusion, ben, Dieu les, les, les a laissé libre cours à leur folie. Et le tiers de la mer devint du sang. Et ben, voilà, la mer, la mer, le tiers devint du sang. Vous n'avez pas vu cette génération, mes amis, dans notre génération, combien d'âmes meurent, combien de sang coule. On vous a montré hein, les images, les statistiques des personnes qui meurent. Regardez même présentement, mes amis, le nombre de stars selon le monde qui meurent. C'est impressionnant. Vous voyez bien que Dieu, mes amis, nous montre par là, par là, que eh ben, si ces étoiles-là, selon le monde, s'éteignent, c'est parce qu'il y a une étoile brillante. L'étoile brillante, plutôt, je dirais, est en train de venir. Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. On est vraiment à la fin. Il y a beaucoup de sang qui coule. Hein, donc, euh, la mer va être inondée du sang au retentissement de la deuxième trompette. Et c'est le cas. Le sang coule beaucoup. Notre génération connaît, mes amis, une croissance exponentielle de meurtres, de suicides, d'attentats. Et voilà, le sang remplit la mer que nous sommes, c'est-à-dire les nations. voilà. Et le tiers des créatures vivantes qui étaient dans la mer mourut. Et le tiers des navires périt. Donc, c'est la mort encore là, mes amis. C'est la montagne embrasée par le feu. C'est Babylone qui tombe. Et, euh, et c'est déjà le cas. N'attendez hein. pas qu'elle tombe encore bien comme il faut. Elle est déjà, sur le plan spirituel, elle est déjà tombée. Elle est déjà jugée. Et, euh, et nous savons que le Seigneur va achever sa chute lorsqu'il va, mes amis, euh, revenir visiblement pour nous chercher. Et, euh, et, euh, et euh, dans, dans Jérémie 51-53. Dieu dit Quand Babylone serait montée jusqu'aux cieux et qu'elle aurait fortifié le plus haut de sa forteresse, toutefois les dévastateurs y entreront par moi, dit Yahweh. Un grand cri s'étend de Babylone et une grande ruine dans le pays de chaldéens parce que Yahweh, Yahweh s'en va détruire Babylone et il abolira du milieu d'elle la voie magnifique et les flots mur, les flots mueront, mugiront comme de, de grandes eaux. L'éclat de leur bruit retentira. Car le dévastateur est venu contre elle, contre Babylone. Ces hommes forts sont pris et leurs arcs sont brisés. Hein, leurs arcs sont brisés, car le Dieu de rétribution, Yahweh, ne manque jamais à rendre la pareille. Voilà. Et là, c'est c'est vraiment terrible. Dieu Dieu juge euh, Babylone. Dieu détruit hein, Babylone. Et, euh, et au verset 64, il est dit et tu diras, Babylone sera ainsi plongée. Et elle ne se relèvera pas du mal que je m'en vais faire venir sur elle. Et ils en seront accablés. Voilà. Donc, on nous dit que Babylone sera plongée, jetée, mes amis. Euh, et euh, jetée où bah, Jetée dans l'eau, dans la confusion. Et euh, voilà. Donc, Dieu, mes amis, euh, nous garde. Hein, et euh, au verset 37 de, Z, de Jérémie 51, et Babylone sera réduite en monceau, en repère de serpents. Hein, en étonnement et en opprobre, sans que personne n'y habite. Voilà, la montagne de Babylone. Voilà. Donc, euh, au verset euh, et, euh, 25 de Jérémie 51, Dieu dit Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit Yahweh, qui détruit toute la terre. Et je tendrai ma main sur toi, et je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Vous vous rendez compte, mes amis Dieu appelle Babylone une montagne. Voilà. Et, euh, et si vous lisez, mes amis, Apocalypse 18, on nous parle justement de la chute de Babylone. Donc, à, à, au retentissement de la deuxième trompette, c'est le jugement de Babylone. Et Babylone, aujourd'hui, représente toute la terre. Toute la terre. Les États-Unis, l'Europe, toute la terre. Babylone représente, mes amis, le gouvernement mondial, avec des lois uniques. Des lois, euh, mes amis, euh, euh, qui sont des lois antichristes. Et euh, voilà, donc euh, pour l'instant, on, 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 on va, on, on va s'arrêter là. On va beaucoup plus développer sur, euh, euh, mes amis, euh, à partir de la troisième trompette, là, on va rentrer les détails pour parler de ces étoiles qui vont tomber encore du ciel, tout ça. Et euh, donc les deux premières trompettes nous parlent du jugement de Dieu. La grêle qui va, de la grêle qui tombe sur les nations, et euh, lors du retentissement de la première trompette, et Babylone qui va être jetée dans l'eau, euh, confondue, jugée lors du retentissement de la deuxième trompette, cette montagne embrasée hein, par le feu de Dieu, le jugement de Dieu. Voilà. Et euh, donc, ça va être terrible. Et euh, Dieu voulant, mes amis, nous allons développer demain. Et après demain, si Dieu permet, euh, parler sur les quatre, euh, les cinq euh, euh, dernières trompettes. Voilà, et ensuite on va attaquer, quand Dieu permettra bien sûr, on va attaquer sur euh, les sept coupes de la colère de Dieu. On va tout faire, on va tout faire pour finir tout le livre de l'Apocalypse. Et euh, vous aurez l'occasion de poser des questions. Euh, voilà, donc ce soir, c'est juste une introduction. Et, et puis après cette semaine, ben, vous aurez l'occasion d'appeler pour toutes, toutes sortes de questions. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, au nom de Yeshua. Amen.